Bonjour, Jean-Michel Brunet, coach professionnel, le club Saint-Malo d'Inara. Je suis ici pour la boxe anglaise, mais nous pratiquons plusieurs boxes. J'en ai deux poids moyens là, qui sont champions de France WACO Pro en boxe pied-point et qui travaillent également comme boxeur professionnel en boxe anglaise. Ils préparent des combats et puis j'ai mon super léger Damien Martin du Central Ring qui lui ne boxe qu'en boxe anglaise, qui est venu mettre les gants avec le challenger qu'on connaît bien et qu'on apprécie, Bastien Laforge, puisqu'ils se sont rencontrés déjà au gala, ils ont fait un match nul tous les deux, et c'est deux garçons qui se respectent, donc ils se font progresser l'un l'autre. On est potes également avec Stéphane et Roland, donc on fait des échanges pour faire progresser nos élèves de manière qualitative et dans le respect de tous, voilà. Et voilà, toujours l'esprit de progression, et c'est très essentiel. Impeccable. Merci. Votre prochain objectif alors ? Alors le prochain objectif, j'ai Damien qui boxe le 14 octobre en Italie pour un titre IBF Méditerranée contre un Italien invaincu qui a 16 combats, 16 victoires, donc dont 6 avant la limite, mais sur un palmarès peut-être un peu surfait. Alors on va y aller pour faire 12 reprises. Ça sera la première fois que Damien fait 12 reprises, mais on va tenter le coup parce qu'on peut faire un gros pas dans le classement puisqu'il est numéro 7 français, et s'il battait un garçon de cette qualité, il arriverait certainement dans le carré d'as, et ça serait une bonne ouverture pour sa carrière. Sur des petits roches, simplement des tout petits roches, essaye de me faire des petites accélérations, 5 à 7 coups, mais des passages décalés derrière, 5-7 coups. Je m'appelle Pierre Robert Dibombé, je boxe au NAB à Beaulieu à Nantes. Donc aujourd'hui on a fait une petite mise de gants avec le club de Saint-Malo. Et après, le prochain combat sera le 15 octobre. Donc on va essayer de le boxer. Voilà. Quoi ton objectif ? L'objectif, bah, cette année-là, bon, c'est déjà passer les régions. Et après, France, essayer de faire un bon résultat quoi, en France. Et après, la ceinture Montana, si je suis pris, essayer de la gagner. Ce serait bien. C'est Kevin Thomas Cogent, j'ai 8 combats, 6 victoires, un match nul. Je suis ici en stage, on va dire, avec le club nazarien. Le boxe nazarien, c'est ça ? Ouais. On a mis les gants hier après-midi, on a fait 6 rounds chacun. Donc après on est rentré à l'hôtel et pareil ce matin, on a fait 4 rounds avec des adversaires différents. Donc voilà, bonne expérience. Bonne chose d'acquise. Présentation pour le public, donc, les internautes. Moi c'est Morgane Legal, donc boxeur de Saint-Malo. Donc amateur, 29 combats, 21 victoires. En pro là, je suis passé pro l'année dernière, enfin néo pro l'année dernière, donc j'ai fait 2 combats néo pro, 2 victorieux pour l'instant. Et là cette année on prépare un petit peu avant de commencer les combats quoi. On va voir comment ça se passe. La petite session sparring partner avec les gars de Saint-Nazaire, super accueillant. On a passé un bon moment hier. Hier, on a commencé le sparring partner pour nous. Eux, ils ont commencé le matin, nous, on a commencé l'après-midi avec mes deux autres copains de club. Et du coup, ça, je pense que ça peut être que du bénéfique pour nous, ça peut nous faire progresser et tout ça. Donc voilà, super, bien accueillant, ça nous a montré d'autres personnages, d'autres types de boxe, tout ça, donc nickel. Tu les connais les boxeurs, tes partenaires là, avec qui t'aimais les noms ? Ouais, je connais deux noms surtout, mais après j'ai jamais côtoyé vraiment. Quoi. Là justement, ça va créer des liens, je pense, et puis, c'est cool quoi. C'est cool. Ok, voilà, nickel. Merci et bonne continuation. Yes. Voilà.
Fab Gazo, donc entraîneur de boxe du boxing nazarien. Ce week-end, j'ai organisé un regroupement de boxeurs professionnels avec mon ami Jean-Michel Brunet, qui est entraîneur du club de Saint-Malo. Donc, il est venu avec trois boxeurs professionnels, dont Damien Martin, qui prépare un championnat IBF, qui est la même catégorie que Bastien Laforge. Ils ont pu mettre les gants ensemble et se préparer pour leur échéance. Voilà. De mon côté, j'avais Bastien Laforge, j'avais aussi Samir Zidilletour qui fait son retour. Ça m'a permis de mettre les gants avec deux boxeurs professionnels de bon niveau. Plus mes amateurs, Valentin Frelon qui passe néo-pro, ça lui a permis de rencontrer des boxeurs professionnels. Parce que c'est pas vraiment la même boxe que la boxe amateur. C'est une boxe plus posée et plus physique. Ça lui a permis de découvrir avant de faire son premier combat néo-pro à Saint-Nazaire le 15 octobre. Ça s'est très bien passé. Les garçons ont fait à peu près 8 rounds hier après-midi et ce matin ils en ont fait 6 d'une intensité quand même assez forte. Bon Stéphane, merci, à la prochaine. À la prochaine. Le 15 octobre alors. Le 15 octobre. On te souhaite bonne continuation et bonne chance pour ton combat. Merci. Bonne continuation à Yutis. Français. Bonne continuation, Clientis. Rendez-vous le 15 octobre. À ce coup.